les livres. Ils sont sur ma table. Je les ai ouverts au hasard. Je les ai feuilletés. Un apaisement est venu dont je ne savais pas avoir besoin. Un bonheur de lire, antérieur à l'acte même de lire. Une lumière dérobée par ce premier regard, distrait, rapide. Puis j'ai refermé les livres. Plus tard. La lecture viendrait plus tard, bien plus tard. Je suis allée me promener. J'ai vu des gens. L'idée m'est venue de vous écrire une lettre. Cette lettre. L'idée d'une lettre infinie, sans suite. Le temps passe. Je ne fais rien. Vous voyez, j'écris cette lettre et puis je cesse de l'écrire. Et puis je la reprends. Je ne sais rien de votre vie, des gens qui vous accompagnent, des monts qui vous protègent, des arbres ou des maisons ou de la couleur bleue que vous voyez par vos fenêtres. Je n'imagine rien. Je n'ai rien à vous dire que vous ne sachiez déjà. Si je vous écris, c'est pour ne pas cesser d'écrire. Jamais. Et c'est pur chant, pure célébration du chant, de cette vibration de l'air contre le tympan du cœur. Si je vous écris, c'est à partir de cette solitude, cette donnée incontournable de la solitude, la mienne, la vôtre, solitude toujours plus grande, illimitée.